Père ressuscité, chers amis, bonjour. Que faire lorsque le Seigneur semble ne pas écouter nos prières? La première chose, c'est donner notre voix à la parole de Dieu pour la rendre vivante et efficace pour notre vie. Ensuite, élevons nos mains vers le Seigneur en attitude de prière. Ensuite, troisième chose, proclamons la vérité de la parole de Dieu. Quatrième chose, proclame ta foi dans la parole de Dieu, ta foi en ce que Dieu dit de lui-même. Cinquième chose, rends grâce au Seigneur par des chants. Et voyons maintenant la sixième chose que David fait dans le psaume 28, verset 8. Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Messie. Le Seigneur est la force pour son peuple, la forteresse de salut pour son Messie. David persévère dans la louange, continue à proclamer ce que le Seigneur est. Le Seigneur est la force pour son peuple, il est une forteresse de salut pour son Messie. Continuer à persévérer dans la louange, c'est continuer à établir cette relation juste avec le Seigneur. Dieu nous a créés pour le louer. Et le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Ça, c'est le psaume 22, au verset 4, qui nous le dit. Le Seigneur habite au milieu des louanges de son peuple. Et Dieu nous a créés pour la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 12. Lorsque nous louons le Seigneur, nous faisons ce pour quoi nous avons été créés et nous établissons une relation juste avec Dieu. Il est notre Dieu, nous sommes ses créatures et nous le louons, nous le remercions, nous l'adorons, nous le glorifions. Nous établissons une relation correcte, nous ne nous mettons pas au-dessus de Dieu, mais sous sa protection. Très souvent, des gens vont au Seigneur et directement commencent à lui dire « Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça pour moi, fais ça pour moi. » En fait, ils vont devant Dieu comme si Dieu était leur serviteur et que Dieu devait leur obéir. Non, c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu, c'est nous qui devons lui obéir, et lorsque nous lui obéissons et faisons ce que lui nous demande de faire, et lui nous demande simplement de le louer, de le bénir et de lui rendre grâce, lorsque nous faisons cela, alors lui fera ce que lui et lui seul peut faire. Il te bénira, il agira dans ta vie, il te donnera son salut, sa paix, sa joie, sa guérison. Amen. Persévère dans la louange et tu verras que le Seigneur agira en ta faveur. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain !